Voilà, alors je vais rajouter donc des informations dans la consigne. Donc c'est une carte schématique qu'on va faire, donc c'est-à-dire simplifier. Alors vous avez les consignes ici que j'ai rajoutées, vous le verrez aussi dans le correctif. Alors la première chose à trouver, donc c'est le couvert forestier. On peut regarder sur cette carte-ci, donc toujours regarder le titre. Vous avez également le fleuve Congo qu'il faut rajouter. On voit aussi le tracé du fleuve. Vous l'avez plus auparavant aussi vu dans le cours. Donc ça, c'est des choses qui seront sur votre carte. Ensuite, la carte suivante, ça vous parle de la déforestation. Donc vous devrez aussi indiquer en résumant, c'est-à-dire je ne veux pas les pourcentages, enfin les taux, mais simplement me mettre sur des zones déforestées. Ça, faut pas savoir, d'accord? Les aires. Alors là, on a encore bien sûr le couvert forestier avec des proportions de couvert forestier recouvert par des mines, d'accord? Alors à partir de cette dernière carte justement et pour pouvoir tracer votre carte schématique, vous allez devoir avec un crayon reproduire la forme de la RDC. Alors pour la reproduire, tout d'abord pour avoir une échelle qui soit correcte, donc oui vous pouvez utiliser des axes comme c'est montré dans une des vidéos, mais vous pouvez aussi simplement décalquer. Donc la carte, on peut prendre celle-ci parce qu'elle est plus contrastée, la décalquer, donc repasser tous les contours. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir donc une carte sur une nouvelle feuille qui sera blanche, qui aura été faite au crayon. D'accord? Donc une fois que c'est fait, on va passer à l'étape suivante, où là, vous allez devoir créer une forme géométrique, schématique, qui va représenter la RDC. Et pour ça, donc là, vous aurez besoin d'un feutre ou d'un bic foncé. Laissez bien sécher, puis après, vous pourrez tout effacer le crayon qui est en dessous de votre feutre. Ici, je vais vous montrer comment réaliser une carte schématique de synthèse. Donc pour cela, vous avez besoin d'une latte ou d'une équerre et de crayon. Alors moi, je le fais en direct avec l'iPad, donc c'est pas vraiment ma vraie latte. Alors comment faire? Donc vous prenez votre latte, vous la mettez sur le contour du pays et vous allez tracer un trait, d'accord? Un trait que vous ferez d'abord au crayon et puis vous repassez. Au moins, on est sûr de ne pas vous tromper. Donc moi, ce sera un peu imparfait au début. Vous verrez que la version finale est un peu mieux. C'est juste pour vous montrer. Donc en effet, vous tracez un trait. Ensuite, vous faites ça pour toute la carte, pour tous les recoins, mais pas trop en détail non plus. Le but d'une carte schématique, c'est justement que ce soit schématique, c'est-à-dire simplifié, d'accord? Donc qu'on puisse reconnaître facilement la forme du pays, bien sûr, mais pas dans tout ou sous les moindres détails, d'accord? Donc là, vous voyez, je suis en train de tout tracer. J'ai avancé un peu la vidéo, vous allez voir ça en vitesse. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, alors ensuite maintenant, donc voilà, je termine de tracer. Alors j'ai tout refait avec page pour avoir des beaux segments bien droits pour le correctif final. Donc vous pouvez voir ici toujours un titre. Donc c'est quoi? C'est une carte. Donc carte schématique, dans ce cas-ci de synthèse, mais carte schématique c'est suffisant aussi. Alors vous voyez ensuite que j'ai mis une orientation, donc une rose des vents qui indique le nord, d'accord? Pour savoir dans quel sens lire la carte, même si ça paraît évident, c'est pas toujours le cas. Alors ensuite, donc vous pouvez voir que vous avez des zones en rouge qui sont les zones déforestées. En vert, vous avez le couvert forestier. En jaune, vous avez vos zones minières, d'accord? Ensuite, en bleu, les repères géographiques importants, comme le fleuve Congo et l'océan Atlantique. Vous avez évidemment la petite étoile Kinshasa, donc la capitale, d'accord? Et ne pas oublier donc la source. Bon, dans ce cas-ci, je n'ai pas remis de chaque source de chaque document, j'ai juste synthétisé en mettant que ça venait de mon cours. Et bien sûr, bah, une légende claire et précise. Vous avez maintenant terminé la carte schématique de synthèse. Il vous reste donc un exercice à réaliser, les causes et les conséquences, donc un tableau à faire sur base des textes. Donc une fois que le thème est terminé, vous n'aurez qu'à voilà, repasser tout en revue, les mots de vocabulaire, les exercices, mémoriser les repères géographiques. C'est vraiment de la matière qui sera de toute façon à connaître. Donc c'est très important de la maîtriser pour la fin de l'année. Après, ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre famille.